Je pense pas que j'ai quelqu'un de favori. Je pense qu'il va affronter tout le monde. Parce que un seul catcheur, tout le monde dans un grand dans une grande bataille royale, tu sais. Un grand bataille royale. Ça, voilà, c'est ça, c'est ça. Comme ça, ça avec des catcheurs en même temps, c'est le top. Non, j'ai pas vraiment de catcheur favori à affronter. Je pense que tout le monde, c'est bien d'affronter tout le monde sur un ring. Comme ça, tu vois un peu tous les styles et il y a pas. Non, c'est. Je pense. Ça va être beau d'affronter un japonais, comme un anglais, comme un américain, comme un mexicain. Ça varie un peu. Ouais, moi je pense un peu comme toi. En fait, je trouve que affronter. En fait, j'ai pas de catcheur favori non plus que j'aimerais absolument affronter. En fait, c'est justement l'idée de pouvoir justement toucher à tous les styles, que ce soit la lucha libre, le poro wrestling, la lutte anglaise, etc. Je trouve que c'est vachement intéressant pour avoir un bagage et puis avoir de l'expérience en fait, sur le ring. De pas se limiter à un seul catcheur et de voir un peu tout, quoi. Je trouve que c'est vachement intéressant. Ceci dit, la vraie question que je me pose, moi, c'est pas quel catcheur j'aimerais affronter, mais plutôt en tant que champion, qui a envie de m'affronter. Je pense que c'est plutôt ça, parce que tout le monde sait, avec un titre, on a une cible sur le dos. Donc je pense que la question, c'est savoir plutôt qui a envie de m'affronter. Après, voilà, je dis ça, j'ai rien. Mais pour rester sérieux, oui. Plusieurs styles, c'est intéressant, ça enrichit en fait le background sur le ring et l'expérience. La question est vaste. Surtout, ouais, faut pas confondre le catcheur qu'on a préféré de tous les temps avec celui qu'on aimerait affronter. C'est vrai que c'est une question assez difficile. Pour ma part, mon grand rêve aurait été d'affronter Macho Man Randy Savage. Malheureusement, il n'est plus de ce monde. T'es vraiment un salopard, parce que c'est exactement ce que j'allais dire. Ah, ouh. En fait, moi j'ai cru que c'était Eddie Guerrero que tu voulais dire. Ah, pas du tout. Pas du tout. J'ai énormément de respect pour Eddie Guerrero, mais c'est pas le catcheur que j'aurais rêvé dans ma vie d'affronter. Mais actuellement, la place du catcheur que j'aimerais affronter est prise par quelqu'un d'autre. C'est Senza Volto. Franchement, j'ai vu des vidéos, des matchs de ce mec et chapeau. Franchement, c'est un grand catcheur qu'on m'a fait connaître ici même à la GTW. Et ça, c'est mon grand rêve d'affronter un jour, soit sur un ring français ou sur notre ring, peu importe. Mais ça serait mon rêve ultime. Bah, moi, mon rêve ultime, ça aurait été effectivement Macho Man Randy Savage. Oh yeah! Mais malheureusement, bon, ça n'arrivera jamais, on sait tous pourquoi. Après, vu que tu parles dans le catch européen, tu me diras que ça, c'est pas la même hauteur, mais j'ai rencontré un jeune catcheur belge que j'espère un jour avoir l'occasion, mais je pense qu'il y a possibilité, et parce que c'est vraiment quelqu'un de très sympa, hors ring et puis in ring, il est vraiment bon, et j'ai vraiment beaucoup d'affinité avec lui, et j'espère l'affronter un jour. The most brilliant man, MBM, qui nous vient de Belgique, tout simplement. Je pense que ça serait Chad Gable, parce que j'aime beaucoup le style de catch qu'il a. Et en fait, je vois qu'il est très différent du style de catch qu'on a nous. Et du coup, je me dis que ce serait pas mal, sachant que j'aime bien. Donc, je pense, ouais, Chad Gable, je dirais. Bon, moi, perso, je dirais Roman Reigns. Ça fait 2 ans que je regarde le catch. Et puis, genre, il a une certaine autorité un peu. Et puis, voilà, ça serait une bonne expérience, je pense. Donc, Roman Reigns.